Voilà, en 1865, les nordistes et les sudistes se battaient aux États-Unis. Et puis Marcel Dandy, il a eu l'idée de, pour réconcilier tout le monde, de faire une combinaison entre les deux hymnes, c'est-à-dire le nordiste et le sudiste. Voilà, on va essayer, Marcel. Marcel Dandy, merci infiniment pour la visite que vous nous avez rendue sur le plateau de Midi Première et à très bientôt, j'espère. Alors, la petite Américaine. Ça va bien, Daniel? Très bien. Oui. Mais elle vient d'où, la petite Américaine? Moi, qui s'est francisée? Moi, je viens de New York. Je suis née à New York et puis j'y ai vécu 10 ans. Puis ensuite, je suis partie dans un autre pays parce que j'étais au Danemark. Puis je me suis retrouvée en France par hasard un beau jour, il y a presque 7 ans. Et puis maintenant, c'est définitif, c'est la France qui a été adoptée. C'est là que réside mon cœur. Et est-ce qu'il y a quand même un petit bout du cœur de Joël en Amérique? Est-ce que vous y allez de temps en temps là-bas? J'ai eu l'occasion d'y retourner il y a maintenant 4 mois, pour la première fois depuis 12 ans. Ça a été vraiment une grande expérience pour moi. C'était émouvant, non? Ah, oui, j'avais trouvé beaucoup de choses de changer. Par exemple, quoi? C'est-à-dire tout le quartier où j'avais vécu, il ne reste plus rien pratiquement. Enfin, les immeubles sont encore là, mais disons que ça a poussé de tous les côtés. Puis il y a eu des changements. Puis c'est plus frénétique que ça l'était avant, il y a 12 ans. Hein. Finalement, ça va quand même plus vite, non, en Amérique qu'en France, non? Pourtant, nous, déjà, on a l'impression que tout change chez nous. Ça va trop vite là-bas, trop vite, beaucoup trop vite. Alors, Joanne, est-ce que vous avez rapporté des choses, des gadgets? Alors voilà, moi, j'ai rapporté déjà un petit t-shirt, puis il y a tout ça. Il y a les petits t-shirts du... Ça, c'est pour fêter exprès le bicentenaire. Oui. Il y a la casquette américaine. Enfin, le... pour prendre... Voilà, c'est ça, qu'à Serge. Il y a les bretelles. Puis aussi le t-shirt bicentenaire. Il y a la cravate avec le drapeau américain. Pour le bicentenaire ou est-ce que c'est une cravate qu'on porte? Ça, on peut porter tous les jours, si on veut. Enfin, si on veut. Puis il y a les chaussettes Cadan, là. Tu vois? Puis il y a aussi ça. Alors ça, ça a été fait exprès pour le bicentenaire. Je ne sais pas si vous pouvez c'est voir. C'est tout petit. Ça, c'est un petit Snoopy. Avec le bicentenaire dessus, quoi. Et puis à côté, il y a encore un petit drapeau en strass. Je crois qu'on aime bien le drapeau là-bas aux États-Unis, non? Je crois qu'on le cultive pas mal, oui. Parce qu'on voit souvent une mode qui se fait des robes avec des drapeaux ou à partir de drapeaux. Et puis tous les matins, on fête le drapeau en classe. Quand on rentre en classe, oui. On chante l'hymne national et ensuite on jure fidélité au drapeau des États-Unis. Tous les matins? Tous les matins. Eh bien maintenant, simplement, moi je voudrais que vous nous juriez fidélité. Le groupe Il était une fois et Joël de rester dans le monde de la chanson française le plus longtemps possible, d'accord? D'accord. Et tout de suite, la première chanson interprétée par le groupe Il était une fois, J'ai encore rêvé d'elle. Comment faire autrement quand il s'agit de Joël? J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses « je t'aime ». Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je prêtez-moi
pour elle et moi. Et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Belle, j'ai un peu froid. Faite pour moi. Réveille-toi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller. Juste toi et moi.